Salut les enfants! Oh, comme on est belle! Alors aujourd'hui, nous nous dirigeons à Toulouse et on va faire quoi? On va faire quoi? Attendez, j'essaie de mettre un peu de lumière parce que. Ouais, ça sert à rien du tout, ça sert à rien. Il fait pas très beau aujourd'hui. Hier, on a crevé de chaud, mais aujourd'hui. Oh là là, j'ai une sale tête! Aujourd'hui, oh. Ah ouais, c'est mieux! Tiens, tu te mettras par là. Oh mais j'ai vraiment une coiffure, laisse tomber quoi. Oui, allez, démarre parce que si tu veux pas être en retard... Oh non, c'est pas bon ça. Mon Tissène, elle va tenir l'appareil photo, même si on est moche. Tu vas encore raconter ta vie? Un petit peu. Okay, bébé, donc aujourd'hui, nous allons à Toulouse. Et nous allons en fait... vous souvenez, ceux qui nous suivent assidûment sur Instagram, Snapchat, etc. Hein? Ceux qui nous suivent assidûment, je vous le dis, parce qu'il y a souvent des concours. Là, du coup, j'ai lancé un concours avec Portée. Oh, on a lancé. Oui, on a lancé. Tissène aussi, c'est vrai. Elle se prend pour qui, elle? Mais attends, t'as qu'à parler pour moi, non? T'as qu'à parler pour toi, non? Allez. Et du coup, on avait une carte cadeau de 500 euros à vous faire gagner pour une maman et sa fille. Donc voilà, on a choisi les gagnantes, celles qui ont participé. Alors, je vous le dis honnêtement, quand il y a des concours, souvent, moi, je ne fais pas de tirage au sort. Hein, je vous le dis honnêtement, je choisis souvent... les personnes, parce que on voit tout, ne vous inquiétez pas, on voit tout. On choisit souvent les personnes qui sont le plus actives sur nos comptes, sur tous nos réseaux sociaux. Donc je vous le dis, hein, soyez actifs parce que je vois tout moi. Toi aussi? Parce que toi aussi tu vois tout. Donc du coup là on se dirige à Toulouse, tout ça pour dire qu'en fait on se dirige à Toulouse et on va partager une journée shopping avec la maman et sa fille. C'est les gagnantes du concours. Et on va gaspiller de l'argent, on va se faire plaisir. Voilà. On va pas gaspiller de l'argent, non? Ah ouais, on va gaspiller l'argent que. On va gaspiller 500 euros que Portée nous offre très très généreusement. Voilà. Pas belle la vie? Voilà. Voilà, voilà. Vous êtes dans votre jalousie, on est dans notre jacuzzi. Pourquoi tu sois dans leur jalousie? S'ils étaient très actifs sur mes réseaux, ils auraient peut-être une chance de gagner. Ouais, franchement, et je vous dis, tous les influenceurs, c'est pareil. Ne croyez pas qu'il y a des tirages au sort, hein. Ça c'est pas vrai ça, bon des fois il y en a mais c'est très très rare. En général on choisit tout le temps ceux qui sont très actifs parce que c'est facile de s'abonner juste pour un concours et de se désabonner. Ça me ferait chier franchement de faire gagner des gens qui arrivent comme ça, qui te connaissent ni d'Ada ni Eve juste pour un concours, hop tu les fais gagner alors qu'en fait ils en ont rien à foutre de toi quoi. Moi j'aime faire gagner les gens et les récompenser, pas toi? Si. Voilà, donc là on y go. Et je vous présenterai la maman et sa fille, je leur ai demandé, elles sont d'accord. Donc on va faire une petite journée shopping et puis vous verrez comment ça va se passer, on ne sait pas du tout. Je sais qu'il y a un vidéaste qui va filmer la journée, on va faire un shooting photo. Donc franchement, c'est une journée qui va très très bien se passer et on est en retard, surtout. Qu'est-ce qu'il y a? 3 minutes que tu parles. Voilà, et 3 traces de doigts dans la jambe. Tu parles trop là, c'est bon, ils s'en foutent. Non mais ça c'est toi qui t'en fous. Oh. Alors vous remarquerez aussi que Tissène, toujours sur mes vidéos, elle est toujours négative, vous remarquerez. Elle parle trop votre copine là, c'est ouf ça. Ils aiment quand je parle. C'est une cassette enregistreuse. Mais je parle trop, c'est ça, même sur Snap je parle trop, sur Instagram je parle trop. C'est toi qui parle pas assez, qui partage pas assez tes moments intimes. Tes moments intimes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est chiant. Que t'avais la bouche dans le trou de cul de cheval. Dans le tien quoi. Bon allez, à tout à l'heure parce que Tissène elle en a marre de tenir. En fait c'est surtout qu'elle en a marre de tenir la perche. Bah ouais voilà en fait. Tu peux raconter ta vie mais si ton truc il a accroché. Oui oui mais bon là je peux pas l'accrocher parce que c'est un appareil photo. Ouais mais genre là je sais pas où tenir, je sais pas où regarder, je sais pas quoi faire, je suis là. Pas nous. T'es toujours là. Une plante. T'as pas de batterie? Pourquoi j'ai pas de batterie? Je rigole. J'ai eu peur, attends, je l'ai chargé toute la nuit le truc. Allez, bon, à tout à l'heure. On est arrivé après un quart d'heure de bouchon devant le centre commercial. Donc à la place d'arriver à 10h30, on est arrivé à 11h05 s'il vous plaît. Donc là on a un petit peu de retard. J'espère qu'ils ne nous attendent pas impatiemment. Tout le monde nous attend, c'est... Ouais. Bon là on va rejoindre la gagnante du concours et sa maman. Voilà. Et puis on va faire notre petit shopping. Voilà, voilà, voilà. Oula, les vieux, ils sont choqués. Ah ouais, ils sont choqués les gens. Pourtant, on est à Toulouse parce qu'on filme. Pourtant, ma caméra, elle est minuscule. Ouais, je crois qu'ils ont eu un bon moqueur. Bon, allez, on arrive. Je filme ce que je peux filmer.
Voilà, la gagnante et sa maman sont arrivées. Donc on va faire notre petit shopping. Ouais. Et puis après, à 12h30, on se retrouve là-bas pour faire le shooting photo. Si ça n'est là aussi. Et puis voilà, donc je filmerai ce que je peux. Et puis on vous montrera quand même ce qu'on a acheté. Enfin, du moins ce matin. Après, je sais la photo, ça peut. On verra. Bon, allez. Okay. À plus tard. Ouais. Bon, là, elles font leurs petits achats. On est chez Pinky. Voilà. En plus, on a trouvé une super jolie robe à 15 euros. Elle est trop canon. Ouais. Je pense qu'elle va bien vous aller. Même celle-ci est canon. Ouais, canon. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Là, je suis sûre que ça te va. Ouais. Tu coupes avec, ouais, comme elle a dit, ta maman, avec une veste en cuir. Mais t'en as pas, donc profite-en. Ouais, bah oui, mais j'ai bien envie de les mais j'ai pas les gueules. Regardez là-bas au fond, on est filmé. Regardez, elle s'en va. Ouais. Regardez, si moi j'ai rien, si je prends un ouais. Là, j'ai essayé parce que je peux pas mettre ça. Je vais essayer là. Ouais. Aller me chercher la ouais, je vais te la chercher. Moi. Super. J'aime pas la veste. Bah, je te l'ai dit que j'aimais pas. Ah. Ouais, c'est super beau. Même avec les bottines. Elles sont canons, les bottines, hein. Ouais. Non mais tu les mettras mieux avec tout celle-ci. Ouais, c'est super beau. Bon là on est en panique. Ouais, moi je suis en panique. Il est 11h53. Ils nous attendent dans une demi-heure. Il faut qu'on ait trouvé un article. On n'a rien trouvé encore. Là c'est là les vis. Oui, je vais aller voir la doudoune le prix. Attendez, parce qu'elle veut une doudoune à 200 euros. Je vous le dis. Une comme ça mais pas cette couleur. Tu me l'avais montré. On n'a pas le droit. Donc du coup, je vous retrouve après. Voilà les tenues choisies. Ah, elle est trop jolie. T'as vu? C'est ce que j'ai dit. Ouais. Ton bagage. Voilà, et moi j'ai choisi celle-ci. On a pris la même robe, sauf qu'on n'a pas pris le même motif. Et puis voilà. Ça me donne ça. Voilà, on est assorti. Ouais, elle est trop agréable la matière. C'est génial ça. C'est clair, je vais la prendre aussi. Ah oui, non, mais j'ai dit avec les voilà, on va faire les. On va faire les photos avec portée. Et puis voilà. Ça se voit qu'elle est même pierre. Ouais. Mais tiens, elle a l'habitude. C'est changement de pose. C'est fluide, c'est magnifique. Je refais du coup parce que je vous ai pas fait honneur là. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, c'est dégueulasse, c'est pas. Non, t'étais trop belle. T'étais grave. Je pense que j'allais faire. J'allais faire une mise en beauté qui est pour un. Waouh. Elle est naturelle. C'est bon. Parfait. Merci. Le rouge à lèvres, vous savez, il va bien. Ouais. Je le mettais comme ça parce qu'en fait j'ai l'impression. Il est lourd, que ton je suis plus large en fait. Donc du coup, je peux faire me mettre en biais. Bon, du coup, on a retrouvé les deux gagnantes et... Mais tu l'as déjà dit? Non, je l'ai dit sur Snap. Ah oui, non, c'est vrai, je l'ai dit ce matin. Non, c'est parce que tu m'as induit en erreur, parce que tu as dit la même chose sur... Tu me disais, mais qu'est-ce que tu dis? Et on va goûter et... comment tu t'appelles déjà? Elona. Je croyais que tu t'appelais José. Non, Fanny, quoi. Oui, parce que José avec deux E en espagnol, il y a des femmes qui s'appellent comme ça. Et tu ressembles à une espagnole. Oui, bah... Tu es espagnole? Ouais. On a retrouvé donc Elona et sa maman. Et Elona et moi, on a les mêmes goûts. On a pris exactement les mêmes pâtes. Et on a pris la même tenue. Pratiquement. À quelque chose près. Donc on a les mêmes goûts. On s'est jumelles. Ouais. Du coup, on a toujours. T'as rien trouvé encore? Là pour le moment. Par contre, Tissane a trouvé quelque chose. Une paire de chaussures magnifiques. Ah, elles sont trop belles, j'adore. La marque Nike. Elles sont pas mal, hein. Je te jure, elles sont trop belles, les petites ballerines Nike. Ouais. On adore. Bah ouais. Ça te va trop bien en plus avec la robe. Pour la fac, tu vas être en bande. Elles sont belles, hein, ça va combien? 40 euros. Sol, on peut se faire wow. Plaisir. Mais franchement, ouais, prends les chaussures. Je vais prendre deux paires, hein, ouais, franchement, elles vont prendre deux paires. Attends. Il y en a une qui se casse. Ouais, ouais, t'as les noires. Je crois que je les avais vues, je sais pas où. Non, j'ai rêvé. Bon, alors, vous avez pas mal acheté. Ouais, franchement. Et il y en a encore dans la voiture. Donc, elles ont fait beaucoup d'achats. Donc, merci Carrefour. Merci Carrefour. Merci Alport. Ouais. Ouais. Super. Et merci à Tisha et à Disney. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc, elles vont rentrer. Nous, on va finir parce qu'il nous reste encore. Tisha, elle n'a pas fini d'acheter. Pourquoi c'est rouge dans la poche?
Et puis vous allez rentrer à Pau? Oui, ouais. Ouais. Ça y est. Donc elle rentre à Pau et nous on va terminer et je terminerai le vlog ce soir, je vous montrerai ce qu'on a acheté. Voilà. Bon, on va leur dire au revoir, hein, en toute intimité. Oh là là, cette coiffure. Oh non, c'est pas possible. Bon, il est 7h30, nous sommes remontés dans la voiture. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais la voiture est pleine. Tiziane, la voiture est pleine. Franchement, on a eu vraiment un beau cadeau de portée. Trop bien. Oh là là, cette coiffure. Oh le nom de Zeus. Il y a un grand vent. J'ai chaud, moi. T'as froid? Ah oui, j'ai froid. J'ai chaud. Bon, là, on va aller chez Tiziane. Elle va aller ramener ses affaires, monter ses affaires. Et puis, on rentre parce que je ne sens plus mes pieds. Je vous le dis, je ne sens plus mes pieds. Voilà. Bon, allez. Je vous montre ce que j'ai acheté tout à l'heure. Et puis, on va se laisser là. Après. Bon. On est rentré, il est 21h54. Donc du coup là, je vais vous faire un petit déballage de ce que j'ai acheté aujourd'hui. Alors, celle du moins Tiziane va me faire le petit déballage. Comme d'hab. Donc, j'ai acheté pour tester ce coffret chez Sephora. Donc on va voir. Il y a le lait galacté, le tonique, ça je ne sais pas, je pense que c'est une huile, je crois, je suis pas sûre. Et deux crèmes, un masque et une crème. Voilà. Ça, je l'ai acheté chez Sephora. Tu dis les prix ou pas? Ouais, il est à 31€. C'est parmi les goodies, ça. Ensuite, Chachouna, j'ai voulu lui acheter des chaussures aussi. Donc, je lui ai acheté cette petite paire de Puma qui était en solde à 45€. Voilà. 50, non? Non, 45, celle-ci. C'est les autres à 50. Ah. 45€, donc ça va. Ouais, ils sont jolis. Pour le prix. Ils vont bien porter. Il a bien aimé. Ensuite, on est passé chez l'Occitane. Nous avons pris cette crème-là pour les mêmes. Elle sent tellement bon. Tiziane, elle sent quoi? Dove. Elle sent le Dove. Et c'est vrai que quand tu la mets, qu'est-ce qu'elle sent? Et en plus, quand tu bouges les mains. Je sens comme si ça allait sentir, mais c'est la même main et tout. Ouais. Ouais, elle sent trop bon. Ensuite, on est passé chez Calzedonia. Donc, chez Calzedonia, j'ai pris la paire de chaussettes. Vous savez les chaussettes, attendez, chaussettes noires là qu'on met par-dessus un collant, les grandes chaussettes. Et en fait, elles sont comme ça, elles sont trop belles. Ouais, elles sont trop belles ça avec la paire de bottines que j'ai acheté que je vais vous montrer. Oh, c'est le bordel, ça c'est mes habits que je viens de me déshabiller qui vont partir à laver, je vous le dis. 8€. 8€, ensuite j'ai acheté un leggings avec ce tissu-là, j'en ai cherché partout. Mais si tu me le mets par terre, on va rien voir. Hein. Je sais pas. Voilà, c'est l'effet satiné brillant, c'est truc de gymnastique. Ouais. Et le tissu il est tellement doux, par contre il est transparent. Ouais. Il est transparent, donc ben, moi je m'en fous, je mets les leggings toujours avec et il est super des trucs légers. Longs. Ouais, par contre il est super léger et je l'ai payé 19,95€. Et pour finir chez Calzedonia, j'ai pris cette petite paire de chaussettes, je vous montrerai pourquoi. Parce qu'en fait on a vu ça sur une vendeuse. On les a pris pailletés. On a toutes pris les mêmes, nous et comment elle s'appelle? Elona. Elona, Léana, j'allais dire. Ouais, on a toutes pris les mêmes. Voilà, 3,95€ les chaussettes. Ensuite, je me suis acheté chez Pinky ce sac à dos. Je voulais un sac à dos parce que j'ai mal toujours à mes épaules, donc j'ai essayé tous les sacs possibles, mais j'ai pas encore essayé les sacs à dos. Non. Oh, regarde où ils ont mis l'antivol, franchement. Ici. Donc ils sont égarés. Ah non, mais je vous promets, il y en a qui sont vraiment bêtes. Hein. L'antivol, quoi. Le mettre, je sais pas, dans votre truc, ils se voient pas la bretelle. Mmh. Donc voilà, j'ai acheté un sac à dos. Simple. Voilà, je voulais qu'il soit quand même grand. Je l'ai payé 19,95€, 20€. Ensuite, chez Claire. Après ma petite vidéo des fossiles, j'ai acheté les coins magnétiques pour avoir des yeux de biche. Donc je les ai serrés tout à l'heure, je vais voir ce que ça donne. Voilà, 20€. Quand même, je trouve ça un petit peu cher pour du Klairs. Mais à voir. Je vous dirai s'ils sont bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce qui te manque? Quoi? Ta robe rouge. Elle est où? De chez Pinky. Elle est où? Elle est pas là? Ouais, je t'ai dit. Non, elle est là, ma robe rouge. Parce qu'elle avait mes bottes. Si, si, elle est non, là. La robe rouge en laine. Elle est où? Je crois qu'elle est chez... Je t'ai dit, c'est obligé que t'as monté des trucs chez moi. T'as acheté plus de trucs que moi et là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien.
Ouais, en fait, mais parce que t'as dû porter des poches à moi. Mais non, même pas, on s'est même pas échangé les poches. Si, quand je suis allée à l'accueil. Et il y avait quoi d'autre que t'as oublié? Tu regarderas après. Mais là, déjà, la robe rouge, elle y est pas. Ah ouais. Donc, j'ai acheté ce manteau-là chez Jennifer. Parce que le mien, il était vieux comme les rodes. Ça, là, je trouve qu'il était pas cher. 25 euros. Le seul truc qui me dérangeait, c'est ça, les manches. Les manches, quand tu retournes, ça fait rouge. Mais bon, il est rouge dedans, il est quand même joli. Ensuite, j'ai acheté... Si c'est un déballe un peu plus vite quand même. J'ai acheté ces petites paires de bottines. Et les chaussettes que j'ai achetées, c'est pour mettre avec ça en fait. Pourquoi tu les essayes? Parce que tu regrettes de ne pas les avoir achetées. C'est pas ma taille. C'est vrai. Ouais, bon, je les aurais pas portées, elles sont trop pointues. Elles sont trop belles. C'est les bottines avec les boucles. Je voulais des bottines à boucles, alors il y a deux boucles. Hop, hop. Elles étaient à combien celles-ci? 35, non? 35. Ouais, je crois 35 euros. Ah, mais il y a le prix. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. T'as mis la chaussure avec le prix? Non. Non, c'est parce que je l'ai mis dans la poche. C'est quoi ça? 29. Tu peux voir, c'est marqué L. Oui. C'est la robe. Ouais. Donc voilà, ensuite j'ai acheté un pull rouge chez Jennifer qu'il n'y a pas ici. C'est une robe pull. Une robe pull en laine. Elle doit être chez toi, hein. Tu veux qu'elle soit où? Bah oui, sûrement. On les a pas posées. En plus, je l'ai acheté en dernier. Non, je l'ai pas acheté en dernier. Imagine, on l'a laissé au magasin. Bizarre parce que j'ai pas vu de poche Jennifer chez moi. Je veux pas dire de bêtises, mais pas faire attention. Si chaud, ouais, je l'ai pas. Ou alors elle est dans la voiture. Donc, du coup, ensuite, j'ai acheté cette robe. Bon, ça, il faut le voir porter. Ouais, c'est une robe longue, elle est hyper à l'aise. Et avec la petite paire de bottines et le... Oh, c'est bon, on s'en fout. Parce que on verra pas comment elle est. Et le manteau là-bas, ça fait super beau. Ensuite, j'ai acheté que ça. Non, j'ai pas acheté que ça. Tu m'as piqué des affaires, toi. Je t'ai piqué, ouais, t'as le culot. Ouais. T'avais qu'à regarder quand tu veux monter. Et ensuite, j'ai acheté cette robe longue. C'est une jupe. Cette jupe longue, voilà, bon après on voit pas trop bien. Mais elle est boutonnée jusqu'en bas, elle est jolie. Et je réfléchis ce que j'y me manque. Mais t'as screen tout à l'heure sur ton téléphone, t'as juste ouais, à regarder. Je vais regarder ce qui me manque, il me manquait des trucs, un petit pas quand même, non? Non, attends, j'ai acheté quoi avec les deux cartes à 10 euros? Je t'ai dit, j'ai passé les 20 euros et après. Bon, on va calculer. Bon, du coup, on se laisse là. On a passé une bonne petite journée, on s'est régalé. Merci Carrefour de porter. Franchement, on est gâtés. Et puis voilà. Donc, je vous dis, suivez-nous sur les réseaux, suivez-nous de près, parce que quand il y a des concours, il n'y a pas 250 euros là. On prévient pas. Voilà. Bon, allez. Bisous. Bye bye. À bientôt. À jamais.